vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo la plus sale, la plus dégueulasse de la chaîne. Donc c'est les produits terminés. Donc tout simplement, je collectionne mes ordures lorsque je termine un produit, n'est-ce pas? J'envahis ma salle de bain. Et une fois que j'en ai beaucoup, 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 je vous montre les produits et surtout je vous donne un avis. Non, sérieusement, je vous donne un avis détaillé hein, du produit. Donc, avant de commencer, je voulais vous remercier de votre présence. Nous avons enfin atteint les 1000 abonnés. Donc, je suis ravie. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, d'être toujours là avec des mots toujours sympas. Donc, merci et un gros like pour vous. Je vous fais plein de bisous. On commence. Chez Aromazone, donc, j'ai terminé ces petites eaux florales que je récupère sur le site. Et eh bien, je fabrique mes produits. Donc, par exemple, là, nous avons deux produits, donc lavande et amamélis. Et je m'en sers pour faire mon soin du matin pour nettoyer mes yeux, auxquels je rajoute de l'acide hyaluronique. Dans la même idée, on a la menthe et de la lavande aspic. Ça, c'est pour faire une lotion tonique plutôt pour les peaux mixtes à grasse, pour ma fille le matin, pour nettoyer sa peau. Donc voilà, est-ce que je rachèterai? Oui, c'est sûr, là il faut que je me refasse une hydratante apaisante. Donc il faut absolument que je recommande. Vite fait, j'avais gagné un concours sur Instagram que j'ai mis assez longtemps à recevoir d'ailleurs. Et j'ai fini par le recevoir. Il y avait 3 crèmes dedans de chez Noxidoxy, sauf que la crème, enfin les crèmes, on verra ici, je sais pas si vous verrez, donc elles sont périmées de 2018. Donc merci, mais non. Donc voilà, poubelle. Je continue. Enfin, le petit Marseillais, donc c'est le purifiant douceur argile blanche et lait de jasmin cheveux tendance grasse qui purifie les racines. Franchement, il n'est pas désagréable, il fonctionne, c'est pas mal. Voilà. Après dire que c'est invraisemblable, non, ça sèche quand même beaucoup les cheveux. Hein. C'est le problème quand vous avez les racines grasses et les pointes sèches, c'est que voilà quoi. Hein. De chez Bioderma, donc l'huile de douche anti-irritation. Donc c'est ultra nourrissant, format 1 litre familial, ça on rachète systématiquement, la compo est pas dégueu et surtout c'est surgras et c'est ce qu'on a besoin pour que le corps, la peau ne tiraille pas. Donc ça c'est sûr, on rachète. De chez Sanoflore, donc l'Aqua Magnifica en version rechargeable. Donc tout simplement, vous versez, c'est comme pour les lessives ou le savon, hein, c'est pareil. Donc voilà, est-ce que je rachèterai? Sûrement. Mais là en ce moment, je l'utilise beaucoup moins, ma peau, elle en a pas besoin là. Hein. Même si j'ai un bouton, ça n'a rien à voir. Donc je rachèterai, c'est sûr, mais pas maintenant. Un shampoing bio de chez Natura Nova, Natura Nova Bio. C'était un shampoing pour purifier les cheveux, cheveux gras, regressant vite. Eh bien, moi je l'ai plutôt aimé, c'est à l'ortie. Est-ce que je rachèterais? Sûrement, sûrement, mais celui-là aussi est quand même agressif, même s'il est bio. Hein. Ça agresse quand même un peu mes cheveux, donc j'y vais avec modération en ce moment. Mais oui, c'est très bien. Une brume de chez Nordic Berry. De chez Neutrogena, pardon, c'était une brume corps que j'avais eue chez Nose. Et ben, j'aimais bien le principe. Alors l'odeur, j'ai pas du tout aimé par contre. Hein. Mais j'aimais bien le principe parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'y mettre les mains. C'est-à-dire que vous vous pchitez. Alors l'hiver, c'est un enfer. Hein. C'est super froid. Mais pour l'été, c'était quand même pas mal aussi. Donc le même en bio et qui sent bon, franchement, ouais, je rachète. Si vous en connaissez des brumes hydratantes comme ça à mettre sur le corps, ça m'intéresse. J'ai terminé mon farfum de chez Kenzo. J'ai oublié le nom. Flower by Kenzo, n'est-ce pas?
Et je l'ai racheté, il est derrière, je sais pas si on le voit là. Donc moi je l'aime beaucoup, donc je l'ai racheté. De chez Oral-B, donc le dentifrice Pro Expert, on le rachète tout le temps, il est vraiment efficace. Moi je vois vraiment la différence avec d'autres, notamment les bio. Donc oui, on va continuer à l'acheter. Et là je vais éternuer. C'est la poussière, je suis un peu allergique aux acariens quand même. Hein. De chez Nuxe, un masque rééquilibrant matifiant express, donc pour peau mixte, bio. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Vous le posez 5 minutes. Je le faisais même parfois sur tout le visage, mais sinon vraiment sur le nez et le menton. Franchement, il est bien, il est bio, bonne compo. Très bien. Oui, sûrement, je le rachèterai. Le masque hydratant de chez Tage, si vous connaissez pas mon amour pour Tage, je vous invite à aller voir la vidéo Tage, n'est-ce pas? Hein, je sais pas combien de fois j'ai allé la voir quand même au bout d'un moment, c'est quand même. Donc Tage, super marque, super compo, des produits riches en actifs, donc très intéressant. Donc le masque hydratant, bien entendu, je vais le racheter sans aucun doute. Je me pose même pas la question. De chez Yves Rocher, un petit gel douche concentré. On l'a offert à ma fille pour son anniversaire, une copine, avec d'autres produits. Moi, j'aime pas les formules concentrées de chez Yves Rocher parce que pour les gamins, entre autres, ils en mettent la même quantité, donc aucun intérêt. Par contre, le gel douche en lui-même, oui, mauvaise compo, mais quelle bonne odeur, n'est-ce pas? De chez Nature Moi, alors où est passé le couvercle? Je vous pose la question, aucune idée. Un masque nourrissant qui était à 96% d'origine naturelle, nourrit et répare, cheveux secs et abîmés. Oui, je rachèterais parce qu'il n'y a pas beaucoup de masques de soins comme ça, pas trop cher, en presque bio, on va dire. Donc oui, et ça fait bien le job, bien sûr, sinon ça n'a pas d'intérêt. Le nettoyant pinceau de chez Sephora, bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser le Kiko, mais celui-ci était en réduc, je sais plus pourquoi, ou je l'ai acheté, peu importe. Pareil que le Kiko, hein, je vois pas la différence. Il est un tout petit peu plus cher, mais s'il y a un code promo où il est en solde, oui, je rachèterai sans aucun doute. Moi, je suis une adepte de ce type de produit. Hein. Chez Kiko, un mascara Stand Out Volume Mascara. Donc c'est celui, alors c'est pas la version waterproof, c'est celui qui est comme ça, avec des poils. Ben moi je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc éventuellement, sur un malentendu, je le rachèterai. Je dis ça parce que quand vous aimez tester plein de produits, parfois vous revenez sur certains. Mais bon, il faut aussi tester. De chez Aromazone, le sérum concentré acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. J'en ai déjà acheté un autre, je pense que je vous l'ai montré, je vous invite à aller regarder. J'ai acheté toute une routine et oui, je pense que je le rachèterai. Il n'est pas cher du tout. Il est plutôt complet et pas cher. Donc oui, et bio, donc sans aucun doute. Et ça, Amazon, c'est ma copine Karine Miss Boop hein, qui m'avait influencée. Mais bon, j'ai peu résisté, n'est-ce pas? De chez Ushuaïa Nature, le déodorant Bi Grenade, c'est un antitranspirant. Vous le voyez à chaque produit terminé et vous continuerez à le voir. J'en ai testé d'autres en bio et ça ne me convient pas. Donc je vais continuer à me mettre un truc dégueulasse sous les aisselles pour ne pas puer et vivre en société avec vous. Bon entendeur, salut. Donc oui, je rachète. De chez Sephora, un liquide mat longue tenue que j'ai terminé. C'est le premier que je termine et je l'ai déjà racheté. C'est la référence 37. Donc ça, pour moi, c'est quand je sais pas quoi mettre, ben je mets celui-là. C'est pas plus compliqué. Donc est-ce que je le rachèterais? Ben là, je viens juste de commencer l'autre. Donc mais pourquoi pas? Ensuite, de chez Dior, le Dior Show Pump. Que je voulais absolument retester parce que je l'avais testé quand j'étais jeune, on va dire. Donc avec une brosse en picot. C'est une arnaque ce mascara. Alors certes, il est beau hein, les premières fois. Au bout de 15 jours déjà, il commençait à être sec. Et il m'a même pas fait 3 semaines quoi. Enfin, à un moment donné, faut arrêter là. Donc ça, c'est niet, c'est non, je ne rachèterai pas. Et je trouve ça honteux. Voilà, c'est dit.
Une petite crème visage bio de chez Charlotte Family qu'on trouve Intermarché, je pense. Crème hydratante aloe vera et huile de jojoba. Donc ça, c'est ma fille qui l'a utilisée. C'est très bien pour ma fille, là, comme ça, les petites crèmes là, hydratantes. Parfait, je rachèterai, oui. De chez Bioderma, la solution micellaire nettoyante purifiante. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment bien. La compo est pas trop dégueulasse, on va dire. Par contre, là, en ce moment, je rachèterai pas la peau mixte à grasse. Non, ça m'assèche trop le visage, vraiment, en ce moment, c'est compliqué. Donc, du coup, pour l'instant, je la rachète pas. Par contre, je me prendrai peut-être celle pour les peaux sensibles. Mais en ce moment, j'utilise des laits. Des laits et ensuite des huiles démaquillantes. Donc, en ce moment, j'utilise plus trop de micellaire. Mais oui, je rachèterai, c'est sûr. Un deuxième. Donc, le fameux shampoing bio pour les cheveux gras de chez Naturanov. Donc, oui, je l'avais racheté. Je ne savais même pas que j'en avais deux. Donc, voilà. De chez Nocibé, j'adore ce produit. C'est une gelée micellaire démaquillante. Je trouve que quand vous la collez sur l'œil, hein, je vous invite à aller voir ma routine de démaquillage. Donc, je me colle. Alors, c'est plus des cotons maintenant. J'utilise des cotons réutilisables. Je me le colle sur l'œil et ça dissout vraiment très bien le mascara entre autres. Donc pour ça, je l'aime beaucoup. Et oui, je la rachèterai, c'est sûr. De chez Fructis, le shampoing Coconut Water qui purifie hydrate. Je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux, enfin pareil ou mieux en tout cas, en bio. Donc non, je le rachèterai pas. Mais sinon, il est très bien. Shampoing cheveux normaux de chez Bionaya, c'est la marque bio pas chère on va dire. Et bah, pour les cheveux de ma fille là, c'est parfait quoi, cheveux normaux, donc parfait, à racheter. De chez Tage, donc on a une eau micellaire démaquillante tonifiante apaisante pour les peaux sensibles en 500 ml. Est-ce que je rachèterai? Mais oui, bien sûr je vais racheter, c'est Tage, c'est clean. C'est pas très cher, hein, 500 ml, je pense qu'il est à 10 €, un truc comme ça. Vous n'avez pas beaucoup de marques hein, qui vous font des produits si bonnes compo et pas cher. Donc bien sûr que je rachèterai, c'est sûr. De chez Rennes, un masque au glycol lactique. Je l'ai racheté en grand pendant les soldes, je vous invite à aller voir mes soldes. Et je l'aime beaucoup, donc voilà, j'étais heureuse de pouvoir le racheter en solde. Ça devient crade là. De chez Sanoflore, l'essence Magnifica, donc c'est que j'avais racheté déjà. Là, je ne l'ai pas racheté parce que je vous dis, mon visage n'en a pas besoin en ce moment. Mais si jamais il redevient un peu grassouillet, effectivement, je la rachèterai. Ça coûte quand même assez cher, donc je préfère... J'en ai d'autres moins chers qui sont peut-être moins bien, mais en tout cas, on ne peut pas toujours acheter des trucs, voilà. De chez La Roche-Posay, donc, c'était une crème légère intense. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que maintenant, je ne mets plus trop, voilà. Pour moi, c'est pas assez anti-rides, c'est pas assez clean. Donc non, je ne rachèterai pas, mais je les ai terminées parce que je voulais terminer mes crèmes, c'est tout, donc voilà. De chez Biotherm, j'ai terminé l'Aquasource, donc c'est pas une crème là, c'est un gel, voilà, peau normale à mixte. J'ai beaucoup aimé, je la mettais le soir et franchement, donc pareil, à la fin, elle était plus assez hydratante, mais j'allais pas la garder pour le moment où, donc je l'ai terminée. J'ai beaucoup aimé et Biotherm, c'est vraiment une marque. Alors, c'est pas bio, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc oui, je suis susceptible de racheter. De chez Yves Rocher, j'ai fini un fond de teint. Donc, c'est un beige sang du zéro défaut. Bah, moi, je les aime bien. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Ça, c'est sûr. De chez Nuxe. Le rêve de miel, le fameux baume lèvres ultra nourrissant, donc je ne l'ai pas terminé. Sauf que ça va faire plus d'un an et demi qu'il est ouvert. Et je ne le mettais pas tout le temps puisqu'il est un peu bizarre. Je ne le trouve pas super hydratant non plus. Il est bien, mais voilà. Et j'avoue que j'aime pas trop les pots en fait. Je préfère les sticks.
Ou même, je préfère ça. Comme ça. Parce que ça, vous pouvez nettoyer votre embout. Alors que les autres, vous mettez les doigts dedans, vous mettez votre bouche. Je sais pas quelle votre bouche est sale, mais je trouve pas ça très hygiénique. Désolée, hein. De chez Sephora, l'anti-cerne, donc le classique, le haut de couvrance fini naturel. Donc moi, je le prends soit en teinte 26 ou 27. Ça, c'est le 27. C'est la teinte abricotée. Je m'en sers surtout l'été. C'est mon best anti-cerne. J'ai beau tester tous les anti-cernes du monde, c'est celui-là que je préfère. Et c'est fort dommage parce qu'il est quand même assez cher, vu le peu de contenance qu'on a dans le produit. Mais je continuerai à l'acheter. Comme dirait l'autre, j'ai pas vraiment le choix en fait, hein. Chez NYX, une petite poudre finish powder, poudre de finition. Donc là, elle est quasiment terminée, mais je peux pas vraiment faire mieux. Ça m'énerve au bout d'un moment. Et je l'ai rachetée, je vous la montre dans ma dernière vidéo sur les produits teint NYX. Donc moi, je l'aime bien. La preuve, c'est que je l'ai rachetée. De chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. C'est infernal, j'arrive pas à la terminer. C'est trop compliqué, c'est trop long, ça me gonfle. Donc c'était pour tester, j'ai testé plusieurs fois. Elle est bien, mais elle blanchit quand même, je trouve. Donc vraiment que sous le dessous de l'œil pour ma part, pas pour le teint, mais elle est vraiment bien. Est-ce que j'achèterais? Non, c'est pas nécessaire. J'en ai d'autres que j'aime bien et j'en ai d'autres que je voudrais tester surtout. De chez Physicians Formula, j'ai envie de me gratter. Un mascara bio, eh ben, je ne l'ai pas trop aimé, il ne se passe pas grand-chose. Il s'appelle Organic Wear. Et c'est mais je dis bio, mais oui, je crois qu'il est bio, oui, il est 100% naturel. Moi, je ne l'ai pas trop aimé. Vraiment, je l'avais trouvé chez Nose. C'est pas mon kiff. De chez Yves Rocher, la Mangue Coriandre, le bain douche énergisant. Je pense que c'est ma senteur préférée, je l'aime beaucoup. Et comme pour les autres, ben oui, on en achète de temps en temps, hein. C'est très agréable. De chez Décléor, j'avais eu en réduction ce lait démaquillant. Voilà, que dire d'autre? À l'huile essentielle de Néroli, ben, je l'ai beaucoup aimé, hein, c'est pour tout type de peau. Maintenant, est-ce que je rachèterais? Non. Si je regarde de près, je suis sûre que je vais trouver des pegs là-dedans. Oh, je sais pas, mais je vois rien de toute façon. Donc je ne rachèterai pas, ça coûte beaucoup trop cher, Décléor, mais c'est vrai que c'est une marque qui m'attire pas mal. Mais non. De chez Yves Rocher, la vanille classique, on va dire. Non, pas du tout. Fleur de tiare, ylang ylang. Je me souviens plus ce que ça sent. Ça sent très bon. Est-ce que je rachèterai? Mais oui, bien sûr. Le nettoyant à pinceau de chez Kiko, dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce que je rachèterais? Sans aucun doute, c'est déjà fait. Si vous regardez mes derniers hauls, il y est. Et enfin, pour terminer, donc un sérum à l'aloe vera de chez Sobio Léa Nature. Donc voilà, hydratant, apaisant, hypoallergénique, c'est bio, hein. Et bah, je l'ai beaucoup aimé. Regarde-moi ça, cette poussière. J'ai payé ça 8 euros chez Leclerc. J'ai fait de la pub pour Intermarché aussi, hein. Alors non, mais on va m'attaquer encore toujours. Leclerc, Leclerc, Leclerc. Mais si tu veux, je fais mes courses à Leclerc, moi. C'est pas de ma faute, il y a un Leclerc. Tu m'aurais mis un Auchan. D'ailleurs, j'aurais de l'essence si j'avais un Auchan. Enfin, de l'essence, vous avez compris, la marque, pas l'essence dans la voiture. Bref, quoi qu'il en soit, il est très bien. Je vais aller me le racheter parce que du coup, je vais me retrouver sans sérum. Voilà, j'en ai partout, il n'y a plus qu'à ranger. Regardez-moi, je déteste cette vidéo. Je l'aime parce que ça me permet de vous faire un retour complet sur les produits, de vous dire ce que j'en pense. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas de problème, c'est normal même, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, dites-moi en commentaire et dites-nous surtout pourquoi, de façon à ce que les personnes aient plusieurs avis. Parce que des fois, je suis un peu gênée. Quand j'aime pas un truc, je me dis, punaise, ils disent, bon, bah du coup, je l'achète pas, ou alors j'ai adoré, et ils m'ont dit, oh, bah, je l'achète. Ouais, mais c'est mieux de se faire plusieurs avis, donc n'hésitez pas à regarder quand même d'autres vues, d'autres choses sur les produits avant de vous jeter dessus. Ce serait bien, puisque des fois vous me faites peur quand c'est des trucs pas trop chers, ça va, mais quand c'est des trucs qui coûtent du fric et que vous dites ah super, je vais l'acheter, ça m'inquiète. Parce qu'on n'a pas les mêmes types de peau ni quoi que ce soit, donc attention,
Hein, il faut vraiment réfléchir son achat quand ça coûte cher. Dit-elle. Moi, je réfléchis tout le temps, moi, hein, c'est connu, hein. Voilà, je vais arrêter de parler. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Je vous attends en commentaire, hein, comme on vient de dire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, non, je ne délire pas comme ça tout le temps. Vous pouvez vous abonner, hein, n'ayez pas peur, hein. C'est gratuit, il paraît. Hein, c'est ça qu'on dit, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis surtout, ça vous permet de revenir me voir. Donc ça, moi, je l'apprécie. Je vous fais des tonnes de bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!